Alors, ce parcours photographique se fait très facilement puisqu'il est concentré dans le cœur de la ville. Il y a 32 photographies et le public pourra découvrir des œuvres de photographes très reconnus comme Bernard Plossu, Thibaut Cuisset, Andreas Gursky par exemple et plein d'autres qui sont également visibles à l'Artothèque en ce moment et au musée. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir des photos en très grand format qui, au réel, sont plus petites, mais de se dire aussi qu'on peut aller les emprunter à l'Artothèque pour les avoir chez soi.